Oui, à tout à l'heure, Sandrine. À tout à l'heure. Bonjour à tous, et bien écoutez, bienvenue à cette nouvelle assemblée générale. J'avais quand même une première question sur la comptabilité. Ça commence. Allez-y. J'ai vendu un de mes appartements dans cette copropriété, et j'ai quand même dû payer des frais de mutation. Oui, et alors? 500 euros, ça vous choque pas, vous? Je pense que vous avez dû oublier la vaseline, parce que moi, ça commence à me piquer un peu, quand même. Et qui c'est qui fixe les frais de mutation? Mais c'est vous! Ah bah, lors de la dernière assemblée générale, c'est vous! Ah. Vous êtes sûr? Ah bon? Moi, je le savais. Pff, je me recogne. Allez, on va passer maintenant au vote du budget prévisionnel. Qui vote pour? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Qui vote contre? Je sais pas pourquoi. En fait, tout le monde vote pour et tout le monde vote contre. C'est bien ça? Résolution numéro 14. On a bien reçu les devis pour les deux nouvelles entreprises de nettoyage. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on paye une entreprise de nettoyage. Moi, je trouve pas que les communs soient sales. Non, mais vous rigolez, non? Moi, hier, en allant voir la minuterie, j'ai chopé une diarrhée aiguë. Oh, Patrick, mais ça recommence. De toute façon, on va devoir changer. La femme de ménage ne veut plus venir. Feignasse. Et on peut savoir pourquoi? Mais monsieur Barbecue, vous l'avez tasé! Mais elle m'a fait peur celle-là aussi, son balai! Réflexe! Ah bah ça a dû la réveiller, coach Tita! Bon, allez, on avance, on passe à la résolution numéro 15, à la demande de monsieur Grimpoire. Nounou, c'est madame! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Messieurs, dames, je vous laisse tout pour mettre à la distributeur, la passe de la TF. C'est pas ça, c'est ce qu'elle a dit? Oh bah allons-y! Parce que j'ai plus de stock, hein, ça me marre! Alors ça, c'est pas prévu, hein, ce règlement de copro! Mais bon, juste pour savoir. Mais enfin, monsieur! Non, mais je parlais du distributeur! Si tu veux, je peux tout faire le parc boule de Noël! Monsieur syndic, charter et direction Copacabana! Il m'a compris! Cet âgé, c'est n'importe quoi. Bon, qui vote pour? Alors là, oui! Il faut se protéger! Mais enfin, c'est un niveau de standing ici! C'est pas une maison close! Vous rigolez, je vote oui! Oui. Est-ce que je peux avoir goût fraise? Oui, madame, posez votre question vite. Posez votre question, pardon. Merci, mon brave. Je me présente pour tous les lambda, Marie-Chantal de Montmirail, ancienne épouse des ministres, responsable du club d'échecs et accessoirement rentière. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une médaille, c'est ça? Alors là, je suis colère, hein, je suis désolé. Flûte, la casquette, elle déborde là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, au troisième étage, sur mes communs, je n'ai plus d'ampoule. Messieurs, dames, comment fait-on? Vous l'avez signalé? Oh non, 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 c'est quand même pas à moi de le faire. Mais enfin, madame, mais y'a que vous au troisième étage. Psst, est-ce que je peux me lever pour lui mettre. Alors, le point 16, la façade, ça fait quand même 8 ans qu'on le repousse, au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Qu'est-ce qu'on fait? Au grand mot, les grands remèdes, c'est ça? Alors, si c'est pour mettre un coup de pinceau, je peux le faire, hein. Un coup de pinceau? Il y a des bouts de pierre qui tombent de la façade, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je suis pour. En même temps, je peux payer. Moi. Oui, mais c'est pas la question. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je me rase. Elle est pas nette, elle. À chaque AG, on se fait dépoiler. Eh ben, moi, je vous donne tout. Mais c'est immonde de faire ça! Moi je trouve pas! Oh, écoutez, madame, non, sortez! Les taches. Ouh, voilà, on reste là! Les taches en dessous, c'est les alcooliques anonymes, ils sont plus rigolos que vous! Allez, joyeux Noël, les couillons!